Bonjour, alors vendredi soir, il y avait un spécial question pour un champion, le Noël des champions. Donc il y avait Julien de Tout le monde veut prendre sa place. Il y avait Michel que je ne connaissais pas, qui était un candidat suisse. Et puis il y avait Xavier et Hakim, deux grands champions des 12 coups de midi. Donc voilà une photo de Julien quand il y avait gagné à Tout le monde veut prendre sa place. Donc on a pu voir que Xavier a été qualifié assez rapidement, et puis après ça a été Michel, et puis après ça a été un duel assez rapide, et puis comment dire, Hakim a été le plus prompt à donner des questions, et puis surtout il a eu beaucoup de chance. Donc il a été donc le troisième qualifié. Après, comme on a pu voir, Xavier a eu, déjà on a pu voir sa nouvelle coupe de feu, et puis il avait que deux bonnes réponses, donc je pense qu'il allait sauter. Et puis après, Michel lui aussi a eu deux bonnes réponses, et puis à la fin, Hakim n'a eu qu'une seule bonne réponse. Je pense qu'il a pris un questionnaire qui était pas évident. Donc voilà, comme on a pu voir, Hakim a été éliminé. Donc après, ça a été un duel entre Xavier et puis Michel. Et puis comme on peut voir, Xavier a été amené assez rapidement. Ensuite, Michel est revenu à la rescousse, mais à la fin, comment dire, c'est Xavier qui a gagné. Donc il a gagné le concours de le Noël des champions, de questions pour un champion. Puis alors, pour celles et ceux qui veulent savoir ce que Xavier a gagné, il a gagné une boîte de chocolat Jeff de Bruges, et puis il a gagné un voyage aux Antilles. Donc ils ont dû payer donc les frais de transport, etc., etc. Donc ça fait toujours plaisir de voir Samuel Etienne. Et puis comme tout finit par des t-shirts, le t-shirt des